Je vous présente la famille Amal. La famille Amal est arrivée au Canada en 1995 dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Madame Amal, ingénieure de métier, attendait des jumeaux à son arrivée. Elle et son conjoint avaient le cœur rempli d'espoir. La famille Amal a utilisé ses économies pour louer une belle maison dans un quartier familial. Un an plus tard, Monsieur et Madame Amal n'avaient toujours pas trouvé d'emploi et avaient écoulé presque toutes leurs économies. Travaillant comme caissière et chauffeur de taxi, l'ingénieur et l'enseignant ont été obligés de déménager dans un quartier plus abordable. Madame Amal n'était pas trop triste de quitter le quartier où elle et sa famille n'étaient pas les bienvenus. Conseillée par des agents immobiliers et des propriétaires, la famille Amal se retrouve dans un quartier pour personnes racialisées à faible revenu. Tandis que le père et la mère continuent de chercher un emploi dans leur domaine, leurs enfants, Rose et Adam, se butent à des difficultés dans une école sous-financée où les enseignants entretiennent des préjugés. Il suffit d'une seule erreur et l'avenir d'un des enfants est tracé. Plus aucune chance de participer à des programmes scolaires, plus aucune chance de poursuivre des études collégiales. L'avenir de l'aîné de la famille Amal a été décidé. Rose vit une expérience différente. Timide, l'élève aux excellentes notes est invisible aux yeux de ses enseignants. Les années se succèdent. La famille Amal continue de connaître des difficultés. Elle a perdu l'espoir qu'elle entretenait à son arrivée. Un avenir très différent semble se tracer pour les deux enfants. L'un d'eux poursuivra des études collégiales, et l'autre se retrouvera en prison. Adam est devenu une statistique. Une fois diplômée, Rose cherchera un emploi pendant un an avant de trouver. Mais rien n'est comme il devrait l'être. En plus de toucher un salaire inférieur à celui de ses collègues, la jeune femme peine à briser le plafond de verre et à obtenir une promotion ou une augmentation. Comment peut-on briser ce cycle? Comment ces deux jeunes Canadiens peuvent-ils se sortir de la pauvreté lorsque le racisme systémique a façonné chaque moment de leur vie?